Hello les amis, comment allez-vous? Je suis Thierry, le technicien pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un Canon IR-V520 qui donne un code E000202. Alors nous allons traiter ce problème dans cette vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés, veuillez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à sauver des gens. Merci et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pia. Nous voilà devant la machine, voici ce code, le E00202. Lorsque vous êtes face à cette situation, ne paniquez pas, restez tranquille, c'est un petit problème. Mais vraiment, vraiment, il faudra que vous soyez vraiment disposé pour pouvoir gérer ce souci. Alors nous allons éteindre la machine et passer juste derrière la machine. C'est au niveau de la tête que le problème se situe. Nous allons passer derrière la machine. Voilà. Voilà, nous allons soulever la tête là. Et vous voyez, c'est là que nous allons, voilà, ici, voilà, nous allons dévisser, voilà. Ce sont les différents câbles là, qui ne sont pas bien placés. Voilà, nous allons simplement les enlever, voilà, et puis les replacer. Vous devez faire attentivement, doucement, pour ne pas endommager la quatre mains, appuyer, s'assurer que les fils sont vraiment bien branchés. Voilà, bien appuyer, appuie fortement. Voilà, maintenant nous allons essayer. Voilà, je viens d'allumer la machine, je vais lancer une copie. Lancer une copie pour voir. Vous voyez, le code n'apparaît plus. Voilà, donc je peux librement lancer une copie. Voilà. C'est la copie qui sort. Ok, le problème est résolu.